Son Excellence Majesté de transmettre cet acte de nomination. C'est votre cahier de charge pour votre mission. Merci. Celui qui parle de faux pas parle de la paix. Et toutes les religions aussi, c'est la paix. Aucune religion sur la terre ne peut parler de la guerre. Et aucun pasteur ne peut enseigner ses fidèles d'aller voler, d'aller tuer. Donc l'Église, avec l'institution de faux pas, tous font la même chose comme la Bible. Nous stipulons tous les jours que nous lisons. Donc c'est ce qui nous a motivés d'être ici, aujourd'hui, dans cette maison, la maison de la paix. Et nous sommes venus pour apporter encore notre contribution pour l'évolution de cette institution. Vous savez, l'élection de la démocratie a commencé depuis 90-91. C'est toujours les hommes de Dieu qui sont là, qui parlent, qui prient pour la paix. Ces hommes de Dieu, même si d'autres sont morts, mais d'autres sont encore vivants et d'autres reviennent encore, renforcés encore. Nous allons demeurer dans la prière. La prière que nous prions toujours, nos aïeux ont prié, ce sont les mêmes prières que nous allons accélérer pour que Dieu touche les cœurs. C'est les cœurs qui font la guerre et c'est le même cœur qui fait la paix. Vous savez, la paix n'est pas un vain mot comme dire le feu ou feu boyé, c'est le comportement. Donc chacun doit savoir que dans le pays, nous devrons accompagner les autorités. Nous allons accompagner le chef de l'État. Nous allons accompagner le gouvernement. Nous allons accompagner. Tout le monde doit accompagner. Parce que la paix n'est pas une structure d'une seule personne. La paix, c'est pour tout le monde. Et s'il n'y a pas la paix, est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu? Non. Donc le pays qui n'a pas la paix, on ne peut pas adorer Dieu. Donc nous ne souhaiterons pas ce que vivent les autres pays. Donc nous souhaiterons la paix dans le cœur. Et ça commence par le comportement. Et je sais que tout le monde doit y en avoir.